Forésienne MFLS est une entreprise qui est spécialisée dans la fabrication d'outillage à bois pour le travail mécanique du bois, donc principalement des lames de scie. Et puis de machines également qui servent à l'entretien de ces mêmes outils. Forésienne est implantée en Rhône-Alpes, mais nous avons une activité qui est mondiale puisque nous exportons sur une centaine de pays. Nos clients principaux, évidemment, c'est les gens du bois, c'est-à-dire les scieries, les menuiseries, les fabriques de meubles, etc. Notre activité s'inscrit en partie dans l'économie de la fonctionnalité, puisque nous essayons maintenant de vendre un droit d'usage de nos produits plutôt que de vendre la propriété de nos produits. Eh bien, notre offre, en fait, c'est une offre clé en main qui part carrément de l'étude chez le client, avec l'étude de ses besoins, et nous proposons les outils adaptés avec la fourniture de l'outil et tout le service après-vente qui gravite autour de cette fourniture d'outils. Le client, en fait, n'a plus à s'occuper lui-même de l'achat et du suivi de ses outils. C'est nous qui prenons en charge toute cette gestion. Alors, j'ai souscrit à l'offre globale de la Forésienne pour un confort de travail parce que, bon, je suis gérant, mais en même temps, c'était moi l'affûteur, donc... J'ai opté pour cette solution parce que ça me dégage des obligations d'affûtage et de planage et tensionnage de lames de scie. Avant, j'étais obligé d'affûter les lames tous les jours, donc ce qui me prenait une heure par jour à peu près. Sortir une lame du bâti et en remettre une, ça prend également 45 minutes. Donc là, je la mets en début de semaine et je la sors en fin de semaine, ce qui m'évite de perdre du temps et ça me facilite grandement les choses. Aujourd'hui, nos clients sont devenus des partenaires et nous arrivons à travailler en confiance et à proposer une offre qui est beaucoup plus large que celle de simples fournisseurs. Toujours dans le cadre de l'économie de la fonctionnalité, bien sûr, on a fait évoluer nos produits. Les lames classiques qui existaient initialement sur le marché devaient être changées ou reconditionnées toutes les 4 heures ou 6 heures. Alors que là, ça nous a permis d'étudier et de mettre au point des lames de scie qui durent 10 fois plus longtemps. Par rapport à l'environnement, c'est aussi intéressant puisque on véhicule beaucoup moins d'outils que par le passé. L'accompagnement en relief nous a permis de nous ouvrir un petit peu des horizons et d'élaborer une offre beaucoup plus précise, pas seulement au niveau technique, mais aussi au niveau commercial et au niveau juridique. Aujourd'hui, beaucoup d'entreprises ne connaissent pas ce type de commercialisation et c'est bien dommage parce que ça fait évoluer l'entreprise, dans le bon sens. Au niveau de la rigueur, au niveau de la compétence, au niveau de l'efficacité. C'est pour ça que l'effort de la société aujourd'hui va porter dans ce sens et on va essayer d'élargir ce type d'économie à d'autres types de produits que l'entreprise également fabrique ou divulgue.